Ah ya, yo, fait le commentaire sur la canal Foren Health Mi Vidéo. Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous le voyez au titre, le fameux challenge très original, les 10 minutes, 1 minute, 10 secondes challenge. Donc si je fais cette vidéo, c'est parce que déjà c'est jeudi, si le troisième jeu de la semaine, c'est celui où je dois faire le challenge, et parce que je n'ai pas eu le temps de faire quelque chose de mieux. Voilà, c'est simple. En principe, le jeudi, ça devait être le jour où je ferai le troisième jeudi de la semaine, ça devait être celui où je ferai du challenge, mais jusque-là, j'ai trouvé rien d'intéressant. Alors, pourquoi pas commencer par celui-ci? Ce challenge, c'est un challenge qui a commencé par, je ne me rappelle plus du nom de l'artiste, je le mettrai juste là, vous le verrez. C'est un type qui, à l'époque, j'avais voulu commencer à dessiner les femmes. Je m'étais intéressé à lui, enfin, c'est lui, c'est la chaîne que j'avais vue. C'est un vieux de vieux. Il y a Choco Dessine qui en parle mieux dans sa vidéo. Moi, je suis une vraie quiche. Enfin, j'ai pas été vérifié avant de faire le challenge. Donc, voilà. Parce que je fais ça en une fois, la voix fond spontanée. Donc, je suis parti sur mon OC. Mei. Enfin, elle est bien différente. Voilà. Mais c'est Mei. Voilà, c'est Mei. Il y a les couleurs de base. En tout. Donc, à 10 minutes, c'était assez facile. Enfin, au digital, je sais pas. Le fait de faire les croquis et faire le line par-dessus, c'était un peu compliqué. Vous avez vu, j'ai ajouté l'écran. Comme possible, et là vers la fin, j'ai fait n'importe quoi, j'ai stressé et voilà, j'ai niqué les dessins. On s'arrête là, j'ai complètement niqué les dessins. Enfin, pas j'ai niqué, mais je l'ai pas fini. Je voulais faire du cel shading un peu plus approfondi sur les ombres du corps et tout ça, mais finalement, je n'ai pas pu. Puis on passe à une minute. Là, honnêtement, pas le temps de faire un croquis. J'y suis allé en me référant juste au dessin à côté, et puis je l'ai fait en une fois. Mais le dessin à côté, je l'aime bien, enfin, celui de 10 minutes. Je pense que ça aurait pu être mieux, mais ce challenge, je pourrais peut-être le refaire en le faisant de façon plus adaptée pour moi, en changeant le temps, peut-être en mettant 30 minutes, 3 minutes et 30 secondes, qui sait, pourquoi pas, ça pourrait être top comme ça, ou 15 minutes comme celui de Tuto Droit avait fait. Donc voilà, sur le principe, je voulais faire le challenge de Choco Dessine, les couleurs secondaires, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas vraiment eu le temps, donc j'ai fait celle-ci. Vu que je prépare aussi une autre vidéo, comme j'avais dit, c'est lui, celle où on parlera un peu de quelques tips, comment vaincre ces membres de la feuille blanche, la page blanche. Je lis, je regarde ici et là et tout ça pour rassembler plein d'informations en parlant avec d'autres artistes, entre guillemets. Donc voilà, ces dessins, si je trouve que c'est. On reconnaît les persos plus ou moins sur celui-ci. Putain, donc j'en pouvais plus, j'ai tellement stressé. Mais pour les 10 secondes, je vous jure, c'est mort. J'ai massacré déjà le perso et je trouve ça extrêmement difficile à faire. Voilà, mais après, comme je dis, si vous avez des idées, des challenges, parce que je pense faire celui de Choco Dessine, puis un autre challenge qui avait quelqu'un qui m'avait demandé depuis longtemps qui date. Après ça, donnez-moi toutes les idées des challenges que vous avez, tous les plus faux, parce que par moi-même, je sais pas réfléchir. Voilà. En plus, ça fait plaisir, vous me lancez des petits défis et tout ça. Pas n'importe quoi, bien sûr, si vous me dites aller danser du joule dans la rue en étant tout nu, je pourrais faire ça. Un challenge en rapport avec les dessins de préférence. Donc voilà, le dessin il est fini. Une très courte vidéo pour le fun, un petit challenge. Vous me dites si je l'ai reçu, je ne l'ai pas reçu, personnellement je doute. Donc voilà, on se retrouve pour de nouvelles vidéos le jeudi prochain. Ciao.